Alors, on est ici devant l'œuvre Imagine par R. Guy Pilon, réalisée en 2012. Et cette toile encapsule à toute fin pratique sa vision artistique, sa démarche créative, pour ne pas dire son imaginaire. On le voit d'ailleurs par ce que moi j'appelle son lyricisme chromatique. Pourquoi est-ce que je dis lyricisme chromatique? D'abord le titre, Imagine. Évidemment, ça fait référence à la chanson bien connue de John Lennon. Donc il y a une musicalité dans cette toile. Et on le voit également par les formes fluides. Et c'est justement ce qui rend le lyricisme, qui fait que cette œuvre soit tellement lyrique. Mais en même temps, on se rend compte à quel point R. Guy Pilon, c'est un chromatiste hors pair. Par le coloris, c'est tellement riche et varié. Et on voit comment il se sert des formes biomorphiques. Donc il y a quelque chose qui est organique, c'est vivant. Ça bouge, ça fourmille sur cette toile. Et en même temps, quand on la regarde, on ne sait plus sur quel pied danser. Et c'est très exprès. C'est une toile déstabilisante qui nous désoriente et qui nous oblige par le fait même de regarder et d'en avoir une vue d'ensemble. J'ose dire, dans le cas de cette toile, Imagine, que c'est le chef-d'œuvre de R. Guy Pilon, parce qu'il a su puiser dans toute son expérience et dans tout son imaginaire pour en faire une synthèse organique, une toile vivante.